ravie de vous revoir dans le cadre de votre magazine hebdomadaire Info Initiative qui voit autrement la RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Imprimeur moderne Magic Touch dispose d'une gamme de services pour impression sur objets de valeur. Visitez la main d'or pour vos impressions sur stylos, t-shirts, képis, emballages et autres. Tout se passe sur la 9e rue, Petit Boulevard à Limité. Regardez. Pour vos travaux d'impression sur t-shirts, stylos, tasses, emballages et autres, l'imprimerie Magic Touch se présente en professionnel. Avec ses machines à imprimer modernes, tout est possible pour la qualité. Service impeccable, le choix de Magic Touch ne déçoit pas. Même vos véhicules, l'imprimeur est prêt. La particularité de Magic Touch, c'est d'abord le service, l'accueil. La façon de servir et le produit. Alors, si vous allez un peu partout, nous sommes la RDC, c'est ma Kinshasa. Vous arrivez quelque part, vous dites je veux que vous me fassiez la broderie. On vous dit la broderie, il faut plus de 2 semaines, hein, parce que ça ne se fait pas là-bas. Quand vous venez à Magic Touch, on vous dit ok, on vous brode des choses et vous venez demain. Vous faites ici, oui, vous venez, on vous montre la machine. Quand les gens viennent, faites-nous des gadgets. Par exemple, tu n'as plus de souris. On dit non, on a tout arrêté. Il faut aller à Poto. Ici, ça se fait. Quand quelqu'un vient, faites-moi des bracelets. Ça ne se fait pas ailleurs. Ici, ça se fait. Quand quelqu'un vient, faites-moi des choses en cristal, des plats, des trucs là, comme les cadres et tout. Ça ne se fait pas, mais ici, ça se fait. Quand quelqu'un vient, faites-moi je ne sais pas quoi. Et ce qui est encore très plus particulier, c'est ça. Quelqu'un vient, faites-moi des stylos. On dit, ah bah, stylos, ça ne se fait pas. Mais ici, on fait des stylos. Comme vous voyez, ça, c'est des stylos qu'on a fait pour le candidat présent de la Centrafrique. On met même la photo sur le stylo, on imprime digitalement. C'est-à-dire on n'a pas à aller faire ailleurs. Ça, c'est des stylos. Tout ça, c'est fait ici. On imprime digitalement en couleur. Et ça, c'est une grande particularité. Je pense, en tout cas, si je ne m'abuse, c'est nous qui faisons ça pour le moment. Je ne connais pas personne d'autre qui le fait. Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres. On a des machines qui impriment et qui coupent. On a une machine qui imprime sur les drapeaux. Donc, on fait des drapeaux originaux localement, comme des drapeaux des bouts congolais, des vrais drapeaux. On fait beaucoup trop de choses ici, local, et pour ça, on se dit, c'est pour ça même qu'on a pour le nom de Magic Touch, parce que c'est un peu différent. Toutefois, voici la gamme de services chez Magic Touch. Nous avons 3 machines, 3 grandes machines. Qui sont très rapides. C'est-à-dire qu'on a la capacité de faire beaucoup, je ne sais pas, plus de 5000 mètres, je ne sais pas, plus 5000, 2000 mètres, ça dépend de ce qu'on imprime. Mais en tout cas, on fait beaucoup de choses. Les machines de drapeaux, on a 2 machines. Alors, cela fait ce que les choses vont très très lentement. La broderie, pareil. Les autres, on a plus d'une machine par département. Alors, cela nous facilite les choses. Alors, ce n'est pas facile vraiment d'estimer, tellement les designs sont toujours différents, mais ça va trop vite. Le service d'abord, c'est dans l'accompagnement de tout ce qui est advertisement, se faire connaître, publicité à travers ce que nous imprimons. Donc c'est comme une publicité qui est un peu muette, quoi. Ce que nous imprimons, ça parle de même. Donc si par exemple vous imprimez ici le nom de votre société comme il a mis ce nom, à toutes les personnes qu'il donne, déjà ça parle, on voit déjà le nom. C'est-à-dire, nous, on fait plus qu'imprimer, on fait aussi connaître nos clients. On fait ça notre rôle. C'est comme si nous leur faisons aussi la publicité d'une façon ou d'une autre. On imprime bien d'abord, donc la personne va dire, mais qu'est-ce que c'est bien fait? Qui aurait fait ça? On dit Magic Touch. Ah bon, Magic Touch, ah bon. Et c'est quoi? Plus qu'inutile de recourir à l'étranger pour vos travaux d'impression. Parce que si moi je peux vous imprimer un stylo, et que vous allez imprimer ça en Chine, alors que même le prix, la pompe peut vous donner, peut-être on peut vous donner 1 dollar de moins que moi, c'est normal. Mais quand vous mettez le transport, la douane et le temps que vous attendez, vous trouvez que c'est même plus cher qu'ici. Aller à l'extérieur, c'est pas, on ne peut pas dire aux gens de ne pas y aller. Mais tout ce que je peux demander aux gens, qu'ils essayent de demander localement, est-ce que vous pouvez me faire à ce prix ici? Est-ce que vous pouvez me faire cette qualité? Si ce n'est pas faisable, ok, d'accord. Mais si c'est faisable, qu'on aide les enfants du pays à émerger. Magic Touch, une solution pour tous.
Cette vision d'implanter une imprimerie de taille est venue de cette Kambalé. Madding Touch répond aux normes, raison pour laquelle son unicitaire appelle au soutien du gouvernement envers les nationaux qui investissent sur place. Écoutons-le. Je pense que le ministre, en fait, il fait un travail très louable. Parce que le ministre, là, il a mis même un slogan qui dit « Consommons congolais ». Et ça, c'est très, très bien. Il fait un très bon travail, il nous rend un très bon service. Mais alors, je dirais, ça devrait aussi arriver à tout le monde. Peut-être tout le monde, ce n'est pas facile, mais au moins, il faut que tout le monde se sente concerné. Il ne faut pas que ça s'arrête aux industries, parce que à la télé, il va là où c'est grand, c'est vrai. Mais en fait, les autres, si on a besoin, parce qu'on peut être honoré, ne fût-ce que par la présence du ministre, même pendant une minute, s'il arrivait et qu'il disait, je vous encourage. On sait qu'il nous encourage, mais s'il le faisait aussi en personne, il dit, écoutez, je vous encourage, je fais ça. Qu'on fasse aussi connaître ce que nous faisons. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais beaucoup de gens toujours ignorent que ça se fait ici. Et ils commentent toujours à l'extérieur ce qui s'est fait ici, parce qu'ils ne le savent pas. Alors normalement qu'avec le slogan du ministre et consommant congolais, ça devait commencer par les services de l'État. Parce que les services de l'État commandent toujours des choses à l'étranger, alors qu'ils savent que ça se fait ici. C'est l'État qui peut nous aider. Je vais vous donner l'exemple d'un Nigérien que j'avais vu en passant sur Réussite Canal+. Un monsieur qui fait des voitures, qui fabrique des voitures au Nigeria. Ce monsieur, l'État pour l'aider, il a d'abord augmenté les taxes sur les autres voitures qui viennent de l'extérieur. Et l'État lui-même achète des voitures chez lui. Les voitures de police, les voitures de service, ça s'achète celui Made in Nigeria. Alors ça encourage la population. Mais l'État dit Made in Congo, d'accord. Mais si on est capable, et toujours que ça vienne de la Chine, de Dubaï, de l'Europe, mais finalement, parce que c'est l'État qui nous aide, c'est lui qui nous appuie. Et si l'État faisait ça, les autres vont faire ça. Quand je parle de l'État, je ne veux pas parler de l'État, je veux parler de certaines institutions. Il y a des personnes qui commandent, peut-être ce n'est pas l'institution, peut-être c'est une personne. Mais si possible, qu'il y ait une commission qui peut parler à cela et qui peut dire, écoutez, nous avons nos enfants qui font ces trucs ici, essayons d'abord ici. Si ça ne marche pas, ok, allons ailleurs. Après le pain gris, le pain complet, la minoterie de Matadi et sa farine fortifiée restent engagées pour la santé de Congolais. Preuve, le pain gourmand, équivalent d'un repas journalier, offre à tout le monde. Suivez. Différent de pain complet, mais admiré de tous. Bien garni, appétissant à manger, c'est le pain gourmand ou gourmandie. Il est équilibré et riche en fibres pour une bonne santé journalière. Il est de plusieurs formes, shawarma, l'hamburger, sandwich et bien d'autres. Facile aux boulangers et pâtissiers d'en fabriquer, il suffit de se servir de la farine de qualité et fortifiée Midema pour la bonne santé de Congolais. Il est appelé gourmand par sa forme, sa valeur nutritive reste incomparable. Un pain gourmand, au départ c'est un pain, mais qui est en plus garni de différentes manières. Ce pain peut être garni avec une alimentation animale, on peut parler de la charcuterie, on peut parler des lards, on peut parler du fromage, ajouter à cela de la salade, de tomates. Donc, un peu du végétal et de l'animal dans un pain, je crois que c'est l'équilibre même au niveau de notre alimentation. Le gourmand ne veut dire seulement qu'un pain appétissant, un pain attirant, un pain équilibré. C'est-à-dire que quand on doit essayer de calculer les calories au niveau de ce pain, au niveau de la consommation, ben, c'est vraiment l'équilibre même. Peut-il remplacer un repas journalier? Je conseille les gens qui vont au bureau, s'ils ont un pain gourmand, ça peut être un club, blanc ou gris, garni avec du fromage, avec un salami, avec bien beurré, tomates, concombres, tout ça. C'est très très bien. Ou alors ça peut être aussi un pain qui n'est pas garni, mais qui d'avance, au niveau de la panification, on a incorporé des éléments de la charcuterie. Ça peut être du lard, ça peut être du fromage râpé. Vous savez, on nous dit qu'il faudrait qu'on mange des légumes chaque jour. On nous dit qu'il faut manger des fruits chaque jour. On nous dit qu'il faut une part de charcuterie, un peu de beurre. Au fait, il faut du glucide, du lipide, des protides et des sels minéraux. Alors, ce qui constitue
un repas complet. Mais lorsqu'on a un pain gourmand, c'est le repas complet. Un petit conseil, consommez au moins un pain gourmand par jour pour une santé de fer. Vous savez, quand on entre dans une canne de surface, on croit toujours que la plupart des farines sont importées. Non, nous les avons aussi à Kinshasa. Et l'amidema, c'est un partenaire fiable. Le café Mozart a un partenaire idéal qui est l'amidema. Je crois qu'on ne changera pas. On ne peut pas changer un partenaire qui est gagnant et qui nous donne de très très bons conseils. Donc, et non seulement c'est un partenaire gagnant, mais je crois que c'est un travail fait avec tous les sérieux possibles. Quels sont les éléments qui composent le pain gourmand? Nous avons la farine ordinaire, le T45, où vous pouvez en faire un pain gourmand. Et nous avons, comme je disais, pardon, la farine complète, la farine grise et même la farine ordinaire. Donc avec tout le sort de la farine, vous pouvez en faire un pain gourmand. Donc avec les pains seulement, vous avez déjà 730 kcal. Or, maintenant, pour compléter les éléments nutritifs dans les pains, vous avez dit, en dehors du pain, on a encore ajouté certains éléments nutritifs, très nutritifs, qui peuvent encore nous donner encore de l'énergie. Midema assure la santé de Congolais. Midema, une longueur d'avance. L'année 2015 aura-t-elle été fructueuse pour le gouvernement Matata II? Écoutez à ce propos le point de vue de l'homme de la rue. Outre les parlementaires à qui revient la charge constitutionnelle de contrôler l'action du gouvernement de la République, la population première concernée des retombées de cet exercice juge dans les faits l'exécutif national. Qu'en est-il alors de l'action des Matata II en 2015? Bilan du gouvernement, sincèrement, à ma connaissance, je ne sais pas, peut-être du point de vue, comme eux sont habitués à nous dire, du point de vue, n'est-ce pas, macroéconomique, c'est là où ils ont essayé peut-être de marquer quelques petits points, avec, n'est-ce pas, la stabilité de leur croissance, n'est-ce pas, macroéconomique, avec la stabilité de la monnaie, je crois, c'est le seul point positif qui a véritablement marché. Moi, du point de vue, n'est-ce pas, infrastructure, du point de vue social, du point de vue culturel et consort, rien n'a marché. Ce n'est pas la stabilité macroéconomique où l'on a essayé, n'est-ce pas, de stabiliser, n'est-ce pas, la monnaie nationale. Je crois que c'est le seul acquis, je puis vous dire, n'est-ce pas, positif. Pour Fred Mwendeji, quelques efforts positifs sont à mettre dans l'actif du gouvernement Matata. Les gouvernements, il y a ce que nous pouvons apprécier. Par rapport à mon avis personnel, je dirais qu'ils ont quand même fait quelque chose. Il y a un peu de changement, mais par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'eux, ils n'ont pas complété le tout. Mais quand même, ils ont fait quelque chose parce qu'il faudrait apprécier quand même l'effort qu'ils ont fait. Nous voyons quand même les infrastructures, ils ont évolué par rapport aux agrégats, ma prise pour les mots, tels qu'ils sont en train de les dire. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a encore des grands défis qu'il faut relever. Donc, quelque part, nous les apprécions, mais quelque part, nous sommes en train de dire que ce n'est pas tout. Qu'en dit Maître Jean-Paul? Il y a un problème qui existe depuis des dizaines d'années, c'est le problème des fonctionnaires. Je crois que les fonctionnaires partout au monde sont des gens qui sont mal payés, mais bon, pour moi, vraiment, ça craint. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je pense qu'il faut peut-être donner du temps. Le Congo, c'est un grand pays. Les choses ne vont pas se faire par un coup de bâton magique. Donc, il faut peut-être beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Donc, déjà que notre budget, par rapport à l'immensité et par rapport à tout ce que le Congo compte comme richesse, richesse autant sur le plan humain, c'est quand même une grande population. Il fallait faire travailler tout le monde, il faut faire travailler beaucoup de gens, il faut créer de l'emploi. Régulièrement, le Premier ministre et son équipe doivent rendre compte du travail abattu au Parlement.
Dans une réunion tenue le mercredi 13 janvier au siège de Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité FONUS, la dynamique de l'opposition, principalement le Front de démocrates, confirme sa marche prévue les 19 janvier. Cette plateforme informe ses membres à avoir écrit à l'Hôtel de Ville, ANER et toutes les instances concernées depuis la même date. Après l'annonce du retour au pays de Étienne Tshisekedi pour fédérer l'opposition autour de sa personne et envisager sa participation au dialogue national sous la médiation internationale, les réactions de l'homme de la rue vont dans tous les sens. Écoutons celle-ci. Le dialogue national reconnu comme un moyen de sortie des crises politiques en RDC annonce déjà ses couleurs. Pour l'UDPS, la médiation internationale ferait l'affaire. Cela ressort du speech de l'opposition historique Étienne Tshisekedi. Une certaine opinion publique salue la détermination de ce géant de la politique congolaise. Oui, mais moi je soutiens l'idée du président Étienne Tshisekedi qui veut un dialogue franc. Hein? Moi je crois que si les politiciens ont les soucis de ce pays, nous ne voulons plus vivre l'année 2011, 2006, le 19, 18 janvier. Non, nous on a besoin de la paix. Il faut qu'il y ait un dialogue franc. Il ne faut pas qu'on y aille pour rouler certains, comme on l'a fait avec les concertations. Alors, on ne veut pas des concertations bis, mais on veut un dialogue franc. Dans un autre sens, une autre voit l'expérience acquise depuis 1960 comme un atout pour se parler sans une aide extérieure. À combien de fois aurons-nous recours toujours à cette communauté internationale pour les affaires qui concernent les Congolais? On en a commencé depuis, je crois, depuis l'indépendance de notre pays. Juste aujourd'hui, on évolue avec cette communauté internationale. Je ne trouve pas de solution. La MONUC est ici au Congo, s'il faut bien voir depuis 60, avec quel résultat? Et cette communauté internationale va venir pour quel résultat encore? Au-delà de ce point de vue, tout doit se faire dans le délai constitutionnel. Si, dans le respect de la Constitution et du délai à pouvoir sur le mandat de l'État. Je souhaite que ce dialogue apporte quelque chose de nouveau à nous Congolais qui attendent ce que ce soit dans la PC, que tout le monde y participe pour avoir un consensus pour le bonheur de ce pays. Les jours à venir s'annoncent riches en événements. Le centre de rattrapage scolaire ADAF au service de la jeunesse de Kimbanseke depuis 1996. Filière de réseau de centre de rattrapage scolaire Rena Seras, ADAF scolarise le jeune de ce coin de Kinshasa. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 38, quartier Sakombi. Mais dans quelles conditions on réponse dans cet élément? À observer de loin, ces maisons en paille ne renvoient pas à une école. Pourtant, c'en est une au quartier Sakombi, dans la commune de Kimbanseke. Le centre de rattrapage scolaire aux enfants défavorisés, cet établissement d'enseignement existe depuis plus d'une décennie déjà. Au service de la jeunesse de Kimbanseke, ADAF est parfois méconnaissable. Toiture écroulée, tableau déclassé, les conditions d'études sont lamentables. Mais la formation y est tout de même assurée. Oui, ici dans notre école, les cours se donnent bien, mais on a aussi des bons enseignants. Mais malheureusement, l'école, c'est avec des rameaux. Bon, je demande à la gouvernement de venir nous aider parce que notre école, plusieurs personnes ingèrent ça, mais il y a une bonne formation. C'est ça, moi, je préfère d'étudier ici. C'est ça aussi, je demande dans le gouvernement, viens nous aider vraiment, ça sera bien mieux. Malgré cela, les enseignantes crient au malheur. Bon, ici, dans notre école ADEF, les cours se donnent ça, mais dans les mauvaises... Quoi je peux dire? Dans les mauvaises positions que nous sommes en train d'étudier, mais les élèves étudient très bien. Mais les moyens d'asseoir, ce n'est pas quand même normal. Nous soutenons. Donc, s'il peut nous aider, il peut arranger l'école puisqu'un autre élève
puissent étudier dans les bonnes conditions. Même son de cloche pour les promoteurs. Centre de rattrapage scolaire, c'est-à-dire nous ici, nous recevons les enfants en âge, donc retardés en âge scolaire. Les enfants à situation difficile, les enfants orphelins. Donc ce que nous recrutons, même les enfants qui sont dépassés en âge scolaire, s'ils viennent ici, nous les acceptons. Ah, c'est pourquoi nous avons, nous sommes sous le ministère des Affaires sociales. Alors, nous avons trois niveaux. Première année, deuxième année, formée niveau 1. Troisième, quatrième niveau 2. Cinquième, sixième niveau 3. Les PSP peut impliquer à notre école. Parce que même UNICEF, même quelle ONG internationale peut venir nous venir en aide. Parce que les enfants que nous formons, c'est pour notre pays. Alors, nous demandons soit à l'État, soit aux hommes de bonne volonté, soit aux associations, organismes internationaux, bio-nationaux, ils peuvent venir en aide. Au sein du centre évoluent deux sections primaires et secondaires. Bienvenue à tous. L'église de Noir Bouno Diabantou Bandombe veut débuter l'année 2016 avec sérénité. C'est la raison à la base du culte organisé récemment en témoignage de fidélité aux ancêtres. L'office religieux a eu lieu en son siège de Massina sur Bouta 21. Suivez. Une journée pas comme les autres. Que s'est choisi le fidèle de l'église des Noirs, preuve suffisante de leur attachement aux ancêtres, tous sensibilisés pour honorer et adorer les dieux de nos terres pour le bienfait durant l'année 2015. Ici, tout est spécial, une tenue différente des autres. Pour introduire les cultes, le père spirituel donne son mot. Et ses envoyés spéciaux qui nous parle et nous guide à travers des révélations sans ambiguïté. Je nous remercie pour cette œuvre grandiose que l'homme noir actuel ne comprend la totalité de sa teneur. Mes remerciements vont particulièrement aux membres du comité de la direction générale des groupes de Banque Bandombe qui ont tenu le coup malgré des énormes difficultés. Aussi, je pense aux dirigeants des locales qui se sacrifient jour et nuit pour l'œuvre de Tamipoum, que Wamba s'occupe de leur famille. Ces différentes cérémonies démontrent la capacité des dieux et une exhortation pour encourager le fidèle à avoir toujours confiance à leur Dieu. L'objectif est de faire comprendre au monde et à tout ce qui s'embrouille avec des dieux étrangers, de rencontrer les dieux de leur terre, car chaque peuple possède son Dieu. Nous en attendons, il y a éveil, il y a race noire. Mbalo, tu ko zong ali sou simati. Tu ko collaborer pe na batu ya babonzambe mususu pona ko zong sa ra bonzambe la sou simati. Monsieur Tozali Pona éveille la race noire. Et Sengeli Moutou na Moutou. Donc l'opposé na l'opposé et Babonzame na yango. Ndenge kaka, to monaka, tango. Bana Israël ba kina boum et pas na biso na Égypte. Ndenge nzambe na bango. Oyo ba bengi Elohim Jehova. Atindaka Moïse pour aya ko bibisa bango. Moïse a le bac yango clair. Ezaya ko bata mate eza na kati ya Bible wana. Nzambe oyo et à Bana Israël, à Tindingaïna, Bimisabino, Tokende, Nambo Kanabiso, on a histoire là-bas. Les loyaux, Ngaï Penzambe, Oyo, Abiso, à Tindinga, Potoya, Kosa, la rétablissement, Yamabili, donc c'est-à-dire, race na race, il faut Babunzambe. L'une des prophétesses dans l'explication de la communauté. Comité Oyo, les Ali Bundu d'Abat Bando, c'est que les Abunzambe à Baïn. Il y a un général.
Et le participant aborde dans le même sens. Ce type de prières sont organisées chaque mercredi pour plusieurs tranches pour permettre à tout le monde de se retrouver. Le vendeur exerçant leurs activités commerciales le long de la direction Kimwinza à deux doigts de rond-point Ngaba sollicite l'autorité urbaine pour être installé et jouir des conditions de vie leur permettant de bien travailler. Suivez dans ce reportage de Cilia Ngituka. Plusieurs vendeurs de rond-point Ngaba exercent leurs activités commerciales sous la belle étoile et en plus le long d'une avenue comme en témoignent ces images. Ils sont situés tout près d'une école catholique. C'est le fondement de leur cri d'alarme auprès des autorités à cause des menaces dont ils sont l'objet quotidiennement par les agents de l'ordre. Leur regret est que la commune d'Engaba et celle de Makala n'ont chacune aucune entreprise ou usine pouvant leur permettre de contribuer au budget de la ville. Seuls ces marchés supportent cette charge. D'autres communes voient évoluer en leur sein de marchés bien construits. Seuls Makala et Ngaba, vers la paroisse Sainte-Christine, manquent de marché. Même chanson pour Anto, la présidente du marché. Ah, tu as bien la visite, tu as la bienvenue. Oui, ligne y a catholique. Tu as bien la visite, tu as bien la balabal. C'est tombé sur la bonne terre. Jean-Cy Amir, caméraman et héros dans l'ombre à Info Initiative, a fêté le 12 janvier son 1e anniversaire. La grande équipe de votre magazine le souhaite joyeux anniversaire. Autre page rose dans ces magazines concerne Sophonie Mavata Saintry qui a soufflé sur une bougie de plus dans sa vie. La famille Saintry et Info Initiative lui souhaitent de beaux jours à venir. C'est déjà la fin de ces magazines hebdomadaires. Merci de votre confiance et merci à toute l'équipe rédactionnelle d'Info Initiative. Je profite de l'occasion pour présenter mes vœux à Jean-Paul Elembo, Grady Elembo et sans oublier mon pasteur apôtre Benimoke de l'église Bet Shalom. À la prochaine, Inch'Allah.